Avec vous. Frères et sœurs, en ce jour, nous célébrons la fête de l'Ascension de notre Seigneur, le moment où le Christ glorifié rejoint son Père, qui est aussi notre Père, et où son Ascension ouvre pour l'humanité un chemin d'espérance. Nous le prions qu'il intercède pour nous, afin que l'eau baptismale qui nous a purifiés nous délivre encore de tous nos péchés. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple. Alors que nous venons célébrer la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption, daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Qu'elle devienne, que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères les baptisés de Pâques par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie qu'il nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume par Jésus le Christ notre Seigneur. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis notamus te benedicimus te adoramus te glorificamus te gratias agimus tibi aper vaga au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps, il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivrons en espérance,
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Commencement du livre des Actes des Apôtres. Mon cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné, depuis le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, dans l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est montré vivant après sa passion. Il leur en avait donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur était apparu et leur avait parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis. Il leur disait : « C'est la promesse que vous avez entendue de ma bouche. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours. » Réunis autour de lui, les apôtres lui demandaient : « Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir la royauté en Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les délais et les dates que le Père a fixés dans sa liberté souveraine. Mais vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, ils le virent s'élever et disparaître à leurs yeux dans une nuée. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que deux hommes, en vêtements blancs, se tenaient devant eux et disaient : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Jésus, qui a été enlevé du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Hey.
Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous encourage à suivre fidèlement l'appel que vous avez reçu de Dieu. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez à cœur de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne au-dessus de tous, par tous et en tous. Chacun d'entre nous a reçu le don de la grâce, comme le Christ nous l'a partagé. C'est pourquoi l'Écriture dit : Il est monté sur la hauteur, emmenant des prisonniers, il a fait des dons aux hommes. Que veut dire « il est monté » ? Cela veut dire qu'il était d'abord descendu jusqu'en bas sur la terre. Et celui qui était descendu est le même qui est monté au plus haut des cieux pour combler tout l'univers. Et les dons qu'il a faits aux hommes, ce sont d'abord les apôtres, puis les prophètes et les missionnaires de l'Évangile, et aussi les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, le peuple saint est organisé pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ. Au terme, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et la vraie connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la plénitude de la stature du Christ. Alors, nous ne serons plus comme des enfants, nous laissant secouer et mener à la dérive par tous les courants d'idées, au gré des hommes, eux qui emploient leur astuce à nous entraîner dans l'erreur. Au contraire, en vivant dans la vérité de l'amour, nous grandirons dans le Christ pour nous élever en tout jusqu'à lui, car il est la tête. Et par lui, dans l'harmonie et la cohésion, tout le corps poursuit sa croissance grâce aux connexions internes qui le maintiennent, selon l'activité qui est à la mesure de chaque membre. Ainsi, le corps se construit dans l'amour. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus ressuscité dit aux 11 apôtres : Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais. Ils parleront un langage nouveau. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, l'ascension du Christ est tout à la fois la fin d'un rêve et le début d'une espérance. C'est la fin du rêve que les apôtres portaient en eux et dont nous avons encore la trace après la mort et la résurrection de Jésus. Le rêve du rétablissement du royaume d'Israël à la manière dont il avait existé au temps de la puissance de David. Nous en avons la trace encore dans le récit des Actes des apôtres que nous avons entendu, puisque au moment où ils sont réunis autour de lui, les apôtres lui demandent encore: Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir la royauté en Israël? Comme nous en avons la trace dans le récit de l'apparition du ressuscité aux disciples sur le chemin d'Emmaüs, et nous, disent-ils, nous croyons qu'il rétablirait le royaume d'Israël. Parmi les foules qui ont suivi Jésus au long de sa vie terrestre, ceux qui ont entendu sa prédication, qui ont vu les signes qu'il faisait en guérissant les malades, en multipliant les pains, tout cela portait encore en eux l'espérance que la venue du Messie serait le rétablissement du royaume. L'arrestation, la condamnation, la passion, l'exécution de Jésus ont ruiné cette espérance. Il ne rétablira pas le royaume d'Israël avec force et puissance comme il l'avait espéré. Avec sa résurrection commence l'annonce d'une espérance nouvelle. Le Christ ressuscité
ne va pas établir sa puissance contre les Romains et délivrer la Judée de l'occupant. Il va ouvrir un nouveau chemin dans l'histoire de l'humanité et il va donner à la pensée du royaume d'Israël une dimension nouvelle qui ne concerne plus simplement le rétablissement du pouvoir politique sur Jérusalem et son temple, mais l'accomplissement de la vocation universelle du peuple élu d'être le signe de l'Alliance au milieu des nations et d'annoncer aux païens la bonne nouvelle du salut. Cette espérance, ce chemin et cette mission vont s'accomplir à travers le don de l'Esprit-Saint qu'il fera au moment de la Pentecôte et par l'envoi des disciples que saint Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, nous présente sous le titre des dons qui sont faits aux hommes. Au moment où le Christ quitte cette terre d'une manière visible, ce que l'Écriture veut nous faire comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas d'abord d'une privation, mais d'une nouvelle façon dont Dieu va être présent à l'humanité par le don de son Esprit. Et les dons qu'il fait aux hommes, ce sera les apôtres, les prophètes, les missionnaires de l'Évangile, les pasteurs et ceux qui enseignent de telle façon que le peuple ainsi organisé verra s'accomplir les tâches du ministère. Le départ du Christ, c'est l'ouverture de ce temps des dons faits aux hommes pour l'organisation du peuple saint et l'accomplissement de la mission d'Israël de porter l'Évangile à toutes les nations. Cette mission confiée aux apôtres définit à la fois ce qu'ils ont à faire et la direction dans laquelle ils doivent s'acheminer, non pas pour construire en ce monde le royaume de Dieu à la place des puissances de la terre et redonner vie au rêve du royaume d'Israël transformé en royaume terrestre. Dieu ne fait pas ses dons aux hommes pour prendre possession de l'univers et lui donner une structure politique qui corresponde à ses désirs. Il fait ses dons aux hommes pour organiser le peuple saint et accomplir les tâches du ministère. L'organisation du peuple saint, ça n'est pas l'organisation politique du monde. C'est la construction d'une famille dans laquelle les dons de Dieu exercent leur charisme, apôtres, prophètes, missionnaires, pasteurs, tous ceux qui sont envoyés pour que la parole de Dieu soit annoncée, que le témoignage soit rendu à l'Évangile et que s'accomplisse la puissance du don de l'Esprit. Car l'ensemble de ces dons faits aux hommes sont répandus pour le développement de l'homme parfait, appelé à la plénitude de la stature du Christ, comme nous dit l'Épître aux Éphésiens. La mission unique de Jésus de Nazareth, seul Seigneur, un seul Seigneur, un seul corps, un seul esprit, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, cet unique Seigneur de l'univers manifeste sa présence et son action
sa puissance et l'espérance qu'il apporte aux hommes à travers le ministère de son Église qu'il a institué comme un don fait aux hommes pour organiser le peuple saint. Cette unique mission se déploie à travers les mœurs qui sont répandues, qui doivent être répandues dans le peuple saint assemblé. Ces mœurs, saint Paul nous les rappelle, avoir beaucoup d'humilité, de douceur et de patience, se supporter les uns les autres avec amour, avoir à cœur de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Car cet unique Seigneur est le garant de l'unique vocation à laquelle nous avons été appelés pour une seule espérance. Ainsi, l'absence visible du Christ en ce monde, sa disparition physique, n'est pas le vide, mais la substitution d'un signe nouveau qui est donné par l'Église à travers la communion de ses membres et l'organisation de ses ministères. Nous comprenons ainsi d'une façon nouvelle la manière dont saint Jean, dans son évangile, parle du départ du Christ. Il est bon pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, je ne vous enverrai pas mon esprit. Il est bon pour nous que le Christ nous ait quittés, non pas pour nous plonger dans la tristesse de son absence, mais pour ouvrir en nous l'action de grâce devant les dons faits par Dieu à l'humanité, à travers la mission confiée à l'Église et à travers la vocation à laquelle il nous appelle, de constituer un seul corps et un seul esprit pour manifester la puissance de son amour. Amen. Credo in nomen Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et vivum omnium Iesum Christum, Amen.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Dominus vobiscum. Et nous spiritus. Sursum corda. Sagamus Domino Deo nostro. Dignum et justus est. Pere dignum et justum est, tecum et salutare. Nos tibi semper et ubique gratia sagere. Domine sancte pater omnipotens aeterne Deus, per Christum Dominum nostrum. Qui post resurrectionem suam omnibus discipulis suis, manifestus apparuit, et ipsis cernentibus est elevatus in celum, ut nos divinitatis suae tribuantes se participes. Qua propter profusis pascalibus gaudis, totus in orbe terrarum mundus exultat. Sed et supreme virtutes atque angelicae potestates, hymnum gloriae tuae concinunt, sine fine dicentes. Proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où notre Seigneur, ton Fils unique,
ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, saint Denis et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église, au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre évêque André, ses auxiliaires, Michel, Jean-Yves et Jérôme, Éric et Renaud, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Toute
l'honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Recepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia tecum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché. Rends-nous forts devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ascendi sum.
sanctor inimis eius, et fugium quioderum meum affasieus. Sanite. Oh.
Frères et sœurs, voici quelques annonces pour les temps qui viennent. Tout d'abord, en cette solennité de l'Ascension, vous êtes invités cet après-midi à 16h30 à une audition d'orgue dont l'entrée est libre. Aux Vêpres ce soir à 17h45 et à la dernière messe du soir à 18h30. Le week-end prochain, les horaires des messes et des offices seront les mêmes que d'habitude. Notez simplement que la quête sera faite pour les moyens de communication du diocèse. Jeudi prochain, 28 mai, il y aura les vêpres, la messe, l'adoration du Saint-Sacrement, et ensuite une grande veillée de prière pour la vie. Choisis donc la vie à 20h30 ici même à la cathédrale, à l'invitation de tous nos évêques d'Île-de-France. Ce sera fini à 22h. Vous savez que il y a beaucoup de débats actuellement sur ce qu'on appelle la révision des lois de bioéthique. L'Église prend sa part dans la réflexion, bien sûr, et dans l'approfondissement spirituel de toutes ces questions. Donc, répondons nombreux à l'appel de nos évêques pour cette veillée de prière, de témoignage et d'adoration le jeudi 28 mai, ici même. Et puis, le week-end prochain, après le 28 mai, sera le week-end de la Pentecôte. Un certain nombre d'événements auront lieu dans toute l'Église, dans le monde, mais en Île-de-France, sachez que d'abord ici, le samedi 30 mai à 21h, notre archevêque, le cardinal 23, présidera les vigiles de Pentecôte, où il donnera la confirmation à près de 300 adultes. Donc samedi 30 mai à 21h. Il y aura du vendredi 29 mai au lundi 1er juin 12 000 jeunes qui se retrouveront, 12 000 jeunes 4e, 3e d'Île-de-France qui se retrouveront à Jambeville pour le FRAT, ce sera le 30e anniversaire. Et puis les jeunes professionnels auront également à Paris leur rassemblement national. N'oubliez pas que vous pouvez trouver des places pour le concert du 26 mai et les nocturnes de Notre-Dame qui, eux, sont entrées libres. L'opéra d'image Réjouis-toi Marie, tous les jeudis et les samedis, c'est-à-dire ce soir par exemple, à 21h15, sauf que quelques exceptions qui sont portées sur votre feuille. Eh bien, nous pouvons reprendre maintenant notre prière et nous mettre debout. Prions le Seigneur. Dieu qui donne les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre, mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. A
aller dans la paix du Christ.